Bonjour la famille, bienvenue une fois de plus chez nous. Aujourd'hui, c'est Noël. Je vous souhaite joyeux Noël de partout où vous êtes, dans vos familles. Aujourd'hui, toutes les familles sont ensemble pour célébrer Noël. Voilà, à table, je vous ramène cette petite vidéo de nous en famille. Avant tout, regardons d'abord l'intro et on se retrouve de l'autre côté. David, wake up, it's Christmas! En fait, maintenant, je suis en train justement d'apprêter notre table là où nous allons nous asseoir pour manger. Notre thème de cette année 2021, comme je vous ai dit, c'était le rouge, vert, un peu Christmas traditionnel en fait. Okay? Donc là, j'ai des petites branches de sapin qui je suis en train de mettre dans mes vases. Ça va nous aider à être comme nos centerpieces, centre d'attention de notre table, si vous voulez en français. Voilà, des tables, des petites vases, vous pouvez trouver ça chez IKEA. Ok, donc là, je suis en train d'ouvrir les branches des sapins. Après, je vais ramener une autre vase de l'eau qui sera juste au milieu. Nous allons mettre le bougie. On va mettre quelques bougies flottantes à l'intérieur. Voilà, je vais vous ramener ensuite nos plats, nos assiettes. Ça, ce sont des assiettes de cérémonie purement que je garde trop loin. Personne n'utilise ça pendant toute l'année. Ok, le sous-plat rouge. Et puis, je vais mettre les assiettes des dîners, les assiettes à manger blanc. Vous avez vu mon photographe, mon vidéographe d'Instagram, David. Et ensuite, je vais mettre des napkins. Je vais mettre des tissus que j'avais décorés vraiment bien avec des rings et tout et tout. J'avais fait ça la journée lorsque j'étais encore au travail dans le Zoom meeting. I was bored and I did it, ok? So, ils sont juste là, les résultats, trop beau, hein? Voilà, je dépose ça au milieu de l'assiette. Ça va avec notre thème et les napkins un tout petit peu décorés. Why not? It's Christmas, hey? After all, après tout, c'est Christmas. Et je vais mettre mes fourchettes, mes, you know, cateries. Comment on appelle ça en français même? En anglais, on appelle tout ça la cateries, ok? Les fourchettes, les spoons, les cuillères et tout, le couvert. Voilà, le couvert. Lorsque j'ai sorti ça, mon mari a dit, waouh, ça sort d'où? Je lui ai dit, c'est moi la maman de cette maison. Tu penses que je vais commencer à sortir tous mes trucs de la fête pendant l'année? Non, non, non. Il a juste adoré le couvert rouge, hein. Plat blanc et nos sous-plats rouges et des petites décorations en mode napkin. Voilà un peu notre petite décoration 2021, notre table à manger. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'idée? Ensuite, hein, c'est Noël, hein, on va mettre quelques bougies. Why not? Il y a une vidéo Reels sur Instagram. Vous pouvez aller sur Instagram pour la visionner. Regardons d'abord le résultat. On se retrouve dans 30 secondes.
Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne, la star à papa, Adrienne Première Dame. Aujourd'hui, mes copines, c'est notre réveillon de Noël. Voilà, je vous souhaite Happy New Year, Merry Christmas, Joyeux Noël. De partout où vous êtes, la chef Adrienne a apprêté sa table. Je sais que toutes les mamans ont été super busy aujourd'hui. Félicitations, le maman. Je sais que c'est vous qui faites Noël, c'est vous qui faites les fêtes. Quant à nous, nous allons manger ce soir, demain, c'est Noël. Joyeux Noël, mes copines. Il faut me dire, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous fêtez Noël et tout, vous avez des cadeaux, nanani. Retrouvez-moi sur Instagram parce que c'est facile pour moi de mettre des petites photos, vidéos sur Instagram, Adrienne Première Dame. Si tu ne me suis pas encore, rassure-toi de t'abonner dans ma chaîne. J'espère que la façon dont j'ai mis la table vous a plu et tout. Donc, sans plus tarder, on va passer à table. À bientôt. Voilà la famille, là la table est faite, j'ai servi. Aujourd'hui c'est notre petit réveillon de Noël 2021 en famille avec les enfants. On va manger quelque chose avant que demain... Noël en fait, ok? Because I wish everybody a Merry Christmas. Okay, is pudding related to Christmas? No. We're waiting for our daddy to come and pray so we can... For all it, good cheer. Yeah, we're gonna pray. On va prier. Et tout. Seigneur, nous te prenons sur le pape de cette mère. Bénis la mère qui l'a prié. Bénis la mère qui l'a prié. Nous voici maintenant à table. Nous sommes là à table en train de manger. Le bébé, il dormait. Oh my God, he gave me a break. Une petite pause pour moi. Comme ça, je mange d'abord en paix. Après, il va se réveiller. Donc, pour les enfants, je les ai fait les poulets. J'ai fait des meatballs et j'ai fait rice, un vegetable rice. Enfin, pour mon mari, en lingala, on appelle ça ngulu ya kapela. Oh my God! Ben lui, c'est ngulu, bah, la semoule toujours à la pointe. Ok? Et pour moi-même, j'ai pris les riz. Comme un peu les enfants, j'ai pris les légumes et tous les légumes verts. On a mangé en paix. Tout se passe bien. La petite famille, my absolute kiff. J'aime vraiment ces genres de moments. I love and cherish them. Ces genres de moments, ce sont des moments précieux. Que, un, j'aime filmer parce que lorsque mes enfants vont grandir, ils vont tout oublier. Mais au moins, lorsqu'ils vont voir ça, ils vont se rappeler de tout ça. Il y a toujours de mémoire qui reste et tout. Donc là... I just love capturing moments et j'ai absolument hâte de capter encore beaucoup de mémoire pour l'année qui va bientôt commencer. Donc avec les garçons, surtout mon premier, lui ne mange pas vraiment. Je suis tout le temps en train de lui dire mange, mange, mange. Si vous voyez Daniel, il a déjà fini son riz, il a attaqué son poulet, il va demander même la deuxième tour. Mon petit, mon deuxième est trop fort. Pendant qu'ils sont yaya, lui, il s'en fout de la nourriture. Est-ce que vous avez aussi des enfants un peu pareils? Pendant ce temps-là, Alexandre est réveillé. Oh, man! Mon petit temps de folie est fini. Et là, Alexandre est maintenant là. Lui aussi, il a besoin qu'on puisse lui donner l'attention. Mais attention, on va faire d'abord chin chin chin! Wow! Merry Christmas! Joyeux Noël! De partout vous êtes, we love and wish you all the best, ok? Lorsqu'Alexandre est là, c'est là où mon temps de fan finish
Et c'est maintenant le temps de prendre soin d'Alexandre, ok? J'ai juste pris un petit jus des pommes pour donner au petit bébé Alexandre. C'est son premier Christmas. Alexandre, we love you. Merry Christmas! Enfin, nous sommes à table, on est en train de manger. Bon appétit à nous. Les uns ont déjà fini, il y a d'autres qui sont encore là en train de manger. So, yeah. La main de Varys pour me donner un peu de repos. Il s'occupe de l'enfant. Lui, il avait déjà fini à manger. Et maintenant, après avoir fini, je dois laver les assiettes vite fait, essayer de nettoyer quelques trucs. Et enfin, pour les servir leur petit dessert de Christmas Eve. On va prendre un petit vin. Why not? Pourquoi pas, hein? It's Christmas. C'est Noël after all. Voilà, maman se met encore debout au travail. Une fois de plus, félicitations à toutes les mamans du monde qui sont debout en ce moment en train de préparer, d'apprêter la table pour tout le monde. Au menu, pour nos desserts, notre dessert, we have waffles. Waffles, ce sont de gaufres que j'ai acheté dans le supermarket. Et après, ce même jour-là, j'avais même acheté la machine à gaufres. Comme ça, je vais faire de gaufres frais pour bonne année. Et je sers ça avec ice cream, la crème, et ça sera accompagné de strawberries, des petits fraises, ok? Tel est notre pudding, Christmas Eve pudding, en famille, maman des garçons, famille nombreuse. May God bless you. Kizamba bate la bino, batnyosoba dans la chaîne, balandanga, basupportanga. L'ambiance était au rendez-vous. Je t'en...